Hey matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur cette villa que vous avez derrière moi et dont la particularité est que c'est une villa complètement courbée sur le devant, comme vous pouvez le voir ici. J'en ai fait deux comme ça, des villas complètement courbées. Il y a celle-ci, il y a une autre qui viendra du coup je pense mercredi normalement, qui est aussi dans un style différent, qui est courbée aussi hein, dans un style vraiment différent, et qui je pense devra vous intéresser beaucoup aussi. Donc voilà, maison qui en impose pas mal hein, quand t'es devant comme ça, il faut pas mal reculer pour pouvoir voir la maison en entier, parce que voilà, donc ça impose énormément, et vous voyez que donc comme elle est toute courbée, je me posais la question de comment est-ce que j'allais pouvoir vous faire cette maison là en tutoriel, parce que pour expliquer les courbes tout le temps ça allait être une galère, et en fait j'ai trouvé une petite astuce que vous allez comprendre tout de suite en fait. On va commencer tout de suite. Voilà. Youp. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ces genres de trucs là vont nous aider à faire la maison? Alors, parce que ici, ce sont les courbes qui sont au niveau de l'arrière de la maison. Ok, vous avez vu, hein, comme la maison elle est en croissant comme ça, il y a au niveau de l'arrière des courbes aussi. Et la particularité, c'est que ces courbes-là sont pile les unes par-dessus les autres. Et donc, ça va être beaucoup plus facile pour faire la maison une fois qu'on aura fait ça. Parce que une fois qu'on aura mis ces courbes-là dans les airs, on va pouvoir faire les plateformes qui vont faire les étages de la maison très facilement. Il suffira juste de suivre voilà, la mise en place des courbes et après, ça va rouler tout seul. C'est un peu ça l'idée. Donc, au niveau du sol, on va mettre une barre de deux blocs d'un bloc blanc. Alors bloc blanc, celui que tu veux, hein, peu importe, neige, laine, quartz, comme tu voules. Moi ici présentement j'ai utilisé de la neige. Tu peux retrouver ça sur mon pack de textures qui est en téléchargement dans la description de la vidéo. Et donc on a deux blocs ici de neige. En diagonale on va mettre deux blocs encore. En diagonale on met 5, ok, ici. Ici on en met 4, ok. Au milieu du centre, par au centre, on en met 12. Et ici, 4, ici, 5, ici, 2, et ici, 2. Ok. Et donc, l'idée, c'est qu'on va reprendre exactement cette même forme-là sur tous les étages, ici, comme ça. Donc, on va faire 4 courbes, ici, comme ça, avec 4 blocs d'espace entre chaque. Hop, je te montre. Pouf, 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 pouf. Et bel et bien, 4 blocs d'espace entre chaque courbe. Donc, il faut reprendre exactement la même courbe et la refaire 4 fois en tout, comme ça. Ok. Et une fois qu'on a mis nos 4 courbes comme ça les unes par-dessus les autres, il va y avoir au niveau du premier étage, donc au niveau de la première courbe dans les airs, deux blocs, en partant de nos deux blocs qu'on avait mis au milieu, hein, desquels on était parti à la base, ok, on va les reprendre sur la courbe du dessus, et à partir de là, on va revoir ce qu'on a mis sur le côté ici comme ça, donc on a deux blocs en diagonale, puis 1, puis 2, et puis 1, comme ça, ok, donc on reprend la même chose au niveau du dessus, d'ailleurs, ok, que la courbe qu'on a mis en dessous, hein, la même chose de l'autre côté, évidemment. Et par rapport à la courbe qu'on a mis en dessous, on va juste rajouter 4 blocs sur la diagonale, comme ça, ok. Voilà, au niveau de la dernière courbe, du coup, on reprend exactement la même comme qu'en dessous, sauf qu'on s'arrête à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on s'arrête, pouf, à un bloc, enfin, on s'arrête quasiment à la même, on fait quasiment la même courbe qu'il y a au niveau du bas, sauf qu'on rajoute juste un seul bloc en diagonale ici comme ça, et ce de chaque côté évidemment. Donc voilà, j'espère que c'est clair, parce que une fois qu'on a fait ça, vraiment tout le reste de la maison ça va rouler, mais voilà, comme sur des roulettes, parce qu'il n'y a quasiment plus rien à faire, dans le sens où, par exemple au niveau de la première courbe au niveau du sol comme ça, il suffira pour faire le premier étage de la prolonger sur 17 blocs de longueur. La deuxième courbe, il faudra la prolonger sur 14 blocs de longueur. Pour la troisième, sur 17 blocs de longueur, donc comme pour la première. Et sur la dernière, sur 14 blocs, comme sur la deuxième du coup. Donc ça va faire 17, 14, 17, 14, voilà, de longueur. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, du coup, on a vraiment nos plateformes de structure de la maison qui sont dessinées, qui vont en fait servir d'étage à la maison, hein, tout simplement. Donc, je répète vraiment une dernière fois, au niveau de la structure de la maison, on fait d'abord les courbes qu'on avait fait ici, qui sont à l'arrière de la maison, ok. Et une fois qu'on avait fait ces courbes-là, on les prolonge respectivement à 17, 14, 17 et re-14 blocs sur la longueur, et on a du coup une forme de maison qui est comme ça,
Ok, donc une fois qu'on a ça, on va utiliser l'argile grise maintenant, qui est ce bloc-là magnifique et merveilleux. Pour ceux qui voudraient, c'est l'argile comme ça, c'est l'ID 159 de point 8, pour ceux qui ont World Edit. Et du coup, on va utiliser ça et on va faire des murs avec, parce que quand même, on va faire des murs avec et on va venir sur notre première plateforme ici, ok? On va regarder la plateforme du dessus. Et on va, hop, laisser un bloc d'espace ici partout. C'est-à-dire que voilà, on va faire un truc comme ça. C'est-à-dire on va vraiment prolonger notre ligne comme ça de blocs sur toute la surface de la maison. Tout en laissant, ok, un bloc de marge comme ça sur toute la longueur de la plateforme, comme ça. Ok? Voilà du coup un peu ce que ça donne, c'est-à-dire que voilà, on laisse vraiment un bloc de marge comme ça, d'espace avec la plateforme du dessus sur toute sa longueur ici comme ça, tout en laissant évidemment un bloc de marge ici à ce niveau-là, c'est-à-dire que si on prolonge le pilier ici, on a un bloc de marge par rapport au bout de cette plateforme-là. Ok? Voilà, donc tout simplement, une fois qu'on a notre cercle ici, donc c'est pas du tout un cercle, hein, mais une fois qu'on a nos emplacements, on va les prolonger jusqu'au sol pour faire les murs, hein, tout simplement. Ok, alors, une fois qu'on a fait ça, du coup, on va faire un peu la même chose au niveau des étages du dessus, sauf que, comme les étages du dessus, ils sont pas tous à la même longueur, comme ça, eh bien, on va devoir trouver autre chose. C'est-à-dire qu'au niveau du deuxième étage, ok, enfin. Normalement, c'est le rez-de-chaussée et le premier étage, mais moi je dis premier étage, deuxième étage et troisième étage à chaque fois, c'est toujours comme ça. Enfin bref, on va tout simplement prolonger les murs qu'on a fait au niveau du bas. Ok, tout simplement. Pouf, comme ça, et on laisse 5 blocs de marge avec le bout de la plateforme ici, donc ça nous fait 3, 4, 5. Et donc il faudra juste rajouter des blocs comme ça. Voilà, tout simplement. Et sinon, on reprend exactement les mêmes murs qu'il y a en dessous, sans oublier de rajouter ces blocs-là aussi de ce côté-là et de l'autre côté aussi, évidemment. Hein. Donc, sur cette ligne-là, on va faire ça comme ça. Hop, en laissant toujours un bloc d'espace, hein, puisque c'est les mêmes, même qu'en dessous. Hop, et donc. 1, 2, 3, 4, 5, et on arrive jusqu'ici pour colmater pour faire les murs, tout simplement. Hop, donc ici pareil, hein, on remplit en laissant un bloc d'espace à chaque fois. Hop, youp. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va tout simplement monter les murs jusqu'au plafond, hein, voilà, classiquement. Voilà, et donc pareil hein, pour le dernier étage, pour pouvoir faire les murs, on va regarder la plateforme du dessus ici comme ça, et on va laisser 11 blocs de marge par rapport au bout ici, c'est-à-dire qu'on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et qu'à partir de ce 11e bloc-là, on va venir ici, hop, et on va regarder le plafond, hop, pour le poser à un bloc de profondeur par rapport à la plateforme hein, pour laisser toujours un bloc de marge ici, whoop, sur toute la longueur du plafond, vous hein, voyez, hop, hop, voilà, donc bah, comme pour le deuxième étage, hein, finalement, on va, voilà, faire tout ça comme ça. Du coup, alors attends, ça fait combien de blocs d'espace? Ici, ça fait un bloc d'espace de ce côté-là, donc on va aller, hop, jusque-là, et après, on va venir ici sur toute la longueur pour mettre nos murs collés au plafond. Hop. Voilà. Ok. Et une fois qu'on a nos murs comme ça, notre argile posée au plafond, il suffit tout simplement, encore une fois, de les baisser jusqu'au sol pour pouvoir avoir les murs complets. Ok. Et une fois qu'on a nos murs tout partout, nickel comme ça sur la maison, on va pouvoir mettre les vitres en place. Quand même, parce que les fenêtres, elles sont nulle part hein, pour l'instant. Et donc, du coup, ici, du coup, à la place des murs, parce que là, pour l'instant, on a mis juste la place des murs, mais on va remplacer certaines parties du mur par des vitres, notamment ici, donc là, à partir de là, et sur 2, 3, 4, 5 blocs, en fait, hop, tout jusqu'ici, on va remplir et on va mettre de la vitre à la place, hop, hop. Alors, tant que je mette là où il faut aussi, quand même, un minimum. Voilà, et on va aussi donc faire ça sur toute la longueur de ce mur-là, là-bas, et la même chose aussi de l'autre côté. Hop,
Voilà, donc sur tout ce mur-là aussi. Ok, hein, ici. Et du coup, sur ce mur-là aussi, pareil. Hein, donc là, on va être 2, 3, 4 et 5 pour s'aligner avec l'autre côté en face. Et tout ça, ok, on va le changer et on va le mettre. Alors, j'ai perdu mes repères. Hop, on va le mettre en vitre comme ça. Hop, hop. Évidemment, la vitre, c'est magnifique pour cliquer dessus. Youp. Pouf, pouf, pouf. Hop. 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 Et voilà, donc ok, on fera la même chose aussi de l'autre côté, bien évidemment. Walou, évidemment. Et évidemment, le grand mur qu'il y a en pile au centre, hein, de la maison, on va le changer en vitre aussi. Et pareil au niveau de l'arrière. Hein. Walou, un petit peu ce que ça donne. Alors je vais vous montrer depuis l'extérieur. On va peut-être faire des ouvertures aussi à l'intérieur de la maison. Parce que ça sera pas mal. Hop, du coup voilà. Donc là on est vraiment au niveau du dessus. C'est-à-dire c'est vraiment la grande terrasse hein, à ce niveau-là. Et donc qui dit terrasse dit barrière de sécurité un minimum. Donc on va mettre aussi comme ça des barrières sur tout l'entourage ici, ok, de la maison. Youp, sauf au niveau de l'arrière évidemment. Puisque au niveau de l'arrière il n'y a que ça, qu'un seul bloc. Donc on va pas mettre de barrière là-bas, pouf, et on s'arrête ici. Et on fait du coup toute la longueur de la maison ici comme ça. Voilà. Hein. Alors, au niveau du dessous maintenant, de l'étage numéro 2, on va évidemment faire aussi une espèce de petite terrasse sur le côté, sauf que on va rajouter des espèces de renforts en fait entre ce niveau-là en fait et ce niveau-là. Ok, comme vous avez pu le voir dans le modèle. Mais avant, on va quand même placer les vitres, hein, donc on va mettre tout ce mur-là, ok, en vitre déjà pour commencer. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, du coup, on va revenir sur la façade et on va compter 1, 2, 3, 4 blocs. Et au niveau de ici, on va, voilà, enlever 3 blocs à ce niveau-là. Et on va juste les mettre sur le dessus, c'est-à-dire ces blocs-là. On va mettre juste les deux blocs du dessus parce qu'en fait, ici, ça sera l'entrée de la maison. Ouais, carrément. Moi, j'ai pas envie de faire d'entrée au niveau du rez-de-chaussée. Je vais en entrer au niveau du premier étage direct. Parce que, pourquoi pas. Donc, ici, après l'entrée, donc on compte 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir du sixième bloc ici, hop, on va faire une grande ouverture qui va prendre toute la longueur de notre milieu ici. Et qui va s'arrêter à ce niveau-là. Hop. Voilà, hein, tout simplement. Donc on fait la même chose aussi ici, c'est-à-dire qu'on compte 1, 2, 3, 4, hop, et on fait un trou de 3 blocs pour pouvoir poser l'entrée de la maison. Hop. Et pareil aussi, ici, on va mettre une vitre à la place. Sauf que du coup, au niveau de l'arrière en fait de la maison, vous voyez que là, pour l'instant, il n'y a pas de vitre. Et donc on va tout simplement prolonger cette vitre-là. Et on va faire la même chose à l'arrière, c'est-à-dire qu'on va reprendre le bloc ici, ok, cette ligne de bloc, et on va hop péter ici, on va reprendre l'autre bout de la vitre à ce niveau-là, ok, et on prolonge ce bloc-là jusqu'à l'arrière. Et donc tout l'espace qu'il y a entre nos deux creux qu'on vient de faire ici, on va complètement le vitrer. Voilà, hein, comme ça. Et ça donne quelque chose de beaucoup plus lumineux tout de suite, évidemment. Alors, une fois qu'on a fait ça, du coup, pouf, on va déjà finir les vitres au niveau du premier étage et après on fera tout le reste. Donc, au niveau du premier étage, on va remplir complètement ce mur-là, vous voyez, de vitres. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre la façade et on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ces deux parties-là. Et 1, 2, 3, 4, 5. Donc tout ce mur-là, ok, on va l'enlever et le mettre en vitre aussi. Donc pareil de l'autre côté, hein, on va compter 2, 3, 4, 5, 6. Pareil, donc tout ça, hop, on l'enlève. Voilà. Youp, ici le mur aussi, pareil. Hop. Voilà, donc une fois qu'on a enlevé ces trucs-là, il nous reste les vitres au niveau de l'arrière de la maison. Et comme pour le dessus, on va tout simplement prolonger l'écart qu'on a fait ici pour mettre les vitres à ce niveau-là. Et on va youp, les projeter sur le mur, hop, d'en face. Et on va hop, youp, faire la fenêtre, pardon, exactement au même endroit. Hop, donc ici, comme ça. Ici, on prend le bout, on prolonge et on pète tout à l'autre bout. Hop. Voilà, donc ici, tout ça, on enlève. Hop, et voilà. Donc, une fois qu'on a ça, du coup, on a toutes nos ouvertures pour pouvoir mettre des vitres à la place, et c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc
On a mis les vitres en place, va falloir faire tout simplement l'entrée aussi quand même de la maison. Donc on va faire vraiment au milieu, en plein milieu ici de notre mur, et on va faire une ouverture de 3 blocs de hauteur, avec évidemment des petites vitres sur le dessus et des portes en dessous comme ça. Et on va rajouter des escaliers maintenant pour faire deux choses. Déjà des escaliers quand même, et aussi des renforts sur le côté de la maison, donc on va prendre les escaliers en quartz, ok? Escalier comme ça en quartz, hop, et on va venir ici. Donc ici il y a un bloc en trop, on l'enlève et on va mettre voilà des blocs comme ça, hop, et on va venir faire des escaliers qui vont descendre jusqu'au sol tant qu'à faire, hein, parce que c'est quand même plus pratique. Hop, pouf, 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 pouf. Bon, hop, 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 voilà. Donc il reste les escaliers à l'envers à mettre là-bas, donc j'arrive pas à les mettre. Hop, ok. Et donc on va faire la même chose aussi de l'autre côté évidemment. Et ici, du coup, au niveau du deuxième étage, là, entre cette partie-là et cette partie-là, on va aussi mettre des renforts. C'est-à-dire qu'on va utiliser des escaliers ici comme ça aussi. On va les espacer de voilà, de 3 blocs chacun, hein, pourquoi pas. Là, j'ai espacé de 4, donc 1, 2, 3, pouf. On va mettre 3 escaliers comme ça et on va les mettre hop à l'endroit à l'envers en les mettant sur le côté à chaque fois. Hop, 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 hop. Donc tu vois, on arrive pile au bout du truc. Donc c'est vraiment calculé pour. L'idée c'est d'aller de un bloc en un bloc dans ce sens-là. Hein, ok, dans ce sens-là. Et pareil dans ce sens-là. Voilà. C'est pas bien compliqué, hein, tu me diras. On refait la même chose sur les autres escaliers. Je te montre donc un à l'endroit, un à l'envers. On en met un à côté de celui à l'envers. Et à partir de là, on remet à l'endroit, puis à l'envers derrière. On remet un à côté, à l'endroit, à l'envers, un à côté, à l'endroit et à l'envers et un à côté. Voilà. Pareil sur le dernier. Du coup, hein, ça devient répétitif un petit peu et c'est tout simplement, voilà, c'est tout simple. Et ça fait des trucs assez jolis. Hop, hop, pouf, 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 ok. Et regarde, ça permet vraiment de lier les deux étages ici comme ça. Et c'est vrai que ça donne, ça impose vraiment les choses. Donc voilà, on refait la même chose de l'autre côté du coup. Et voilà, bam. Donc là, la maison commence vraiment à en imposer. On a vraiment fini la structure cette fois-ci, ce qui est pas plus mal. On va passer aux décorations. On va tout de suite mettre un truc au niveau du deuxième étage à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on va rajouter des barrières de sécurité en vitre ici comme ça entre les escaliers. Hop, la même chose de l'autre côté, ok? Hop, que je montre pas, hein, puisque c'est la même chose. Et on va aussi rajouter quelque chose d'intéressant, c'est les demi-blocs que l'on va mettre, hop, au niveau de chaque étage. C'est-à-dire que ici, là, vous voyez, on va mettre des demi-blocs comme ça sur toute la longueur de l'étage. Hop, voilà, on va faire vraiment tout le tour. Et on va faire la même chose au niveau du dessus, ici aussi. Hop, ok. Voilà, comme ça, hein, et la même chose ici. Et ce, vraiment, on va faire complètement le contour de chaque étage comme ça. Et tu vas voir que tout de suite, ça va rendre beaucoup plus imposant. Bam! Voilà. J'espère que tu vois la différence quand même, mais ça rajoute vraiment une petite touche de détail qui est bien sympathique, moi je trouve. Alors, une fois qu'on a ça, on va rajouter vraiment les finitions, c'est-à-dire les escaliers quand même pour monter au dernier étage, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Hop, donc on va prendre les escaliers, on va venir ici sur le côté. Alors on va attendre, on va déjà définir il est où le centre, il est où le milieu du truc, il est là, quelque part. Donc l'idée c'est qu'on va faire deux escaliers qui vont se rejoindre et qui vont après revenir sur l'étage du dessus. Donc on va faire... Attends, 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 attends. On va prendre les demi-blocs, on va venir faire une plateforme. Hop, ici, ok, en carré. Parce que pourquoi pas. Hop, on va faire venir des escaliers ici comme ça. Ok, donc là le carré qu'on a fait à ce niveau-là, il est vraiment au milieu de la maison, à deux blocs d'espace par rapport à la vitre, pour ceux qui veulent absolument les dimensions. Pouf, pouf, ok. Pouf, et pouf. Et une fois qu'on a notre petit pont ici comme ça, on va mettre des escaliers à l'envers ici.
Hop, et on va faire monter un petit escalier. Hop. Pour un peu, voilà, aller au niveau de l'étage du dessus, tout simplement. Hop. Voilà. Et donc, bien sûr, on bouge le trou que j'ai fait ici. Et à partir de là, bah, on a notre escalier pour aller à l'étage du dessus. Donc c'est cool. Et vous pouvez l'orner de toutes les décorations que vous voulez si ça vous intéresse. On peut aussi mettre de la décoration sur le toit de la maison. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des panneaux solaires, des trucs classiques hein, qu'on retrouve en construction moderne assez souvent. Hein, donc des feuilles, des panneaux solaires. Des feuilles, j'ai dit. Ah ben, je cliquais ici en croyant que c'était ma toolbar. Bref, on va mettre aussi j'allais dire des rongeurs. Pourquoi je parle, je pense à ça. Des rails avec des tapis. Tapis gris. Tapis gris. Oui, du tapis gris. Et on va mettre tout ça sur le toit en espèce de joyeux bordel. Donc les feuilles, on va les mettre un petit peu sur le côté comme ça, histoire de donner des pointes de verdure. Youp. Voilà, ici, pas trop non plus évidemment, mais un peu quand même. Voilà. Ici. On va mettre aussi des panneaux solaires que l'on va mettre un petit peu dans le même sens que la courbe. Donc, c'est-à-dire qu'on va les mettre par exemple par rapport à ici. Et on va essayer de suivre un peu la courbure du toit. Ok, comme ça. Hop. Youp. Youp. Hop. Hop, et on va les faire sur trois blocs de largeur parce qu'on est des fifous. Voilà. Donc petit panneau solaire, on peut même en mettre deux, pourquoi pas, en mettant un ou deux blocs de distance entre les deux. Voilà. Hop. Alors, une fois qu'on a ça aussi, du coup, on va pouvoir utiliser les rails hein, comme des bouches d'aération sur la place qui reste à ce niveau-là en les mettant en carré. Hop. Et un autre carré un peu plus loin pour faire un rond de rails. Et une fois qu'on a fait ça, on va utiliser les tapis pour entourer les rails comme ça, qui vont nous permettre de faire un peu comme des bouches d'aération, finalement, qu'on trouve un peu sur les toits des bâtiments modernes. Voilà. Et une fois qu'on a ça, eh bien, il nous reste vraiment les derniers petits trucs, et on en a fini, c'est-à-dire les aménagements des terrasses, hein, notamment, puisque les terrasses, ça se voit aussi un peu à l'extérieur. Donc, on va utiliser des feuilles, on va utiliser des demi-blocs de quartz, ainsi que des escaliers en bois de sapin. J'ai viré les feuilles qu'il fallait pas. Hop. Et on va pouvoir faire des espèces de salons en plein air, hop, avec des escaliers qui sont un peu tarabiscotés comme ça. Youp, avec des demi-blocs qu'on met dans ce sens-là, par exemple, pour faire un canapé ultra moderne. Hop, ici, sur le côté, voilà, un petit canapé et un autre d'angle, ici, comme ça. Voilà, j'arrive pas à rechoper mes machins. Ok, donc tu vois, petit salon de plein air qui est sympathique. On rajoute à cela quelques feuilles qui vont venir par-dessus. Hop, hop, et hop, avec des petits tapis, on va mettre un tapis bleu, parce que j'ai envie de mettre un tapis bleu, hop, ok, tu vois, autour du machin comme ça peut être intéressant, youp, youp, ouais, alors attends, s'il s'arrête juste que là le tapis, on va le mettre comme ça peut être sympa, ouais. Du coup, voilà, on peut faire aussi la même chose de l'autre côté. Et ici, au niveau de la mini-terrasse, slash le balcon, on va pouvoir mettre plus des tables plus classiques, on va dire, avec peut-être un petit banc, voilà. Avec, du coup, au milieu de nos trucs ici, comme ça, on va pouvoir mettre des barrières de bois avec, voilà, un tapis ou une plaque de pression comme tu voulais pour faire une petite table, voilà tout simplement. Alors on va peut-être aussi rajouter des accès pour la terrasse, ça serait pas mal. Hop, voilà. Et puis voilà, on en a fini avec cette maison. Donc elle est impressionnante encore une fois, c'est vraiment une maison qui en impose un peu, qui est vraiment balèze quand on la regarde comme ça au niveau du sol, parce que tu es vraiment obligé de t'éloigner quand tu es en face pour pouvoir la voir en entier, tu vois, au niveau des bouts. De la maison pour que ça
passe entier dans ton écran, bah t'es obligé vraiment de t'éloigner dans la maison. Par exemple, si on s'approche trop, là tu vois, on voit déjà plus les bouts de la maison quand on regarde pile en face. Alors qu'on est déjà vachement loin finalement. Enfin, on est encore vachement loin de la maison, ce qui donne vraiment une impression de, voilà, d'en imposer vachement finalement. Et c'est ça qui est assez rigolo avec cette maison. Donc voilà. J'espère que ça t'aura plu. Je te souhaite un très bon jeu, bon vent matelot, et à demain pour la prochaine vidéo.